Nos choix alimentaires ont des impacts importants sur l'environnement et l'approche cycle de vie peut nous aider à en prendre conscience. Cette approche consiste à quantifier les impacts environnementaux issus de toutes les activités reliées à un produit, un service ou un comportement. L'ensemble des étapes du cycle de vie de notre régime alimentaire sont tout d'abord la production agricole, c'est-à-dire la culture et l'élevage, la transformation en aliments, l'emballage de ces aliments, la distribution des aliments qui inclut leur transport, la consommation des aliments qui inclut le fait de les cuisiner, et enfin le traitement des déchets, soit en les éliminant, soit en les valorisant. Cette approche permet de déterminer les étapes du cycle de vie les plus néfastes pour l'environnement et de comparer différentes alternatives répondant à un même besoin, dans le cas présent, s'alimenter. Les impacts environnementaux étudiés peuvent être les impacts sur les changements climatiques, mais aussi l'impact sur la santé humaine ou l'impact sur la qualité des écosystèmes. Par exemple, remplacer sa portion de viande par une alternative végétarienne réduit l'impact environnemental relié à l'étape de production agricole. En effet, l'élevage requiert beaucoup d'eau, de terre et d'intrants chimiques pour produire la nourriture animale et est à l'origine de nombreuses émissions polluantes. Il y a donc plusieurs façons de réduire l'empreinte environnementale de notre alimentation. Par exemple, le végétarisme est une façon très efficace de réduire notre empreinte sur les changements climatiques. Au Canada, une personne omnivore qui mange végétarien pendant un jour réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 3 kg de CO2 équivalent. Si elle effectue ce remplacement une fois par semaine, c'est 175 kg de CO2 équivalent en moins par an. Et enfin, si elle adopte ce nouveau régime alimentaire toute l'année, elle réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 1229 kg par an, soit l'équivalent d'un aller-retour en avion pour une personne entre Montréal et Paris. Chaque geste compte, et ces changements prolongés de comportement peuvent faire une réelle différence. Si tu souhaites réduire l'impact de ton alimentation, tu peux participer au défi végé de Polytechnique. Il s'agit de s'engager pendant un mois, en équipe, à adopter un régime végétarien afin de générer des points carbone. Ces points carbone représentent la quantité de gaz à effet de serre évitée grâce à ton changement de comportement alimentaire. Les points carbone cumulés par ta communauté universitaire sont revendus à des individus ou des groupes qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et l'argent échangé contre ces points sert à financer d'autres projets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la communauté universitaire. C'est simple, plus vous êtes nombreux à participer, plus ta communauté génère de points carbone et plus elle réduit son empreinte environnementale. Simple mais efficace. Le système d'échange de points carbone est une initiative de Polycarbone, un organisme sans but lucratif qui a pour objectif d'inciter le milieu universitaire à adopter des comportements plus durables. Pour poursuivre ta démarche, reste à l'affût des prochains défis proposés par Polycarbone et engage-toi avec nous à modifier tes comportements sur du long terme. Tu feras une différence positive qui sera reconnue